Il ne s'attendait probablement pas à cette réaction. Le 7 mai dernier, le prince Harry a posé ses valises en Angleterre pour assister au 10e anniversaire des Invictus Games. Au cours de ce séjour, qui a duré 2 jours, le duc de Sussex n'a malheureusement pas pu retrouver certains de ses proches. C'est notamment le cas de son père, le roi Charles III, son frère, le prince William, ou encore sa belle-sœur Kate Middleton. Malgré tout, il semblerait que l'époux de Meghan Markle ait tenté d'apaiser les tensions avec sa famille. En témoignent les révélations de Tom Quinn au Mirror, qui a indiqué que le prince Harry avait essayé de joindre la princesse de Galles par téléphone après avoir quitté Londres. Depuis qu'il a quitté le Royaume-Uni, Harry a contacté au moins une princesse, Kate, a ainsi révélé l'expert royal dans un entretien publié ce mercredi 22 mai. Malheureusement pour le duc de Sussex, Kate Middleton ne serait pas encore prête à lui pardonner. Elle est sympathique, mais soutient pleinement son mari et, luttant contre ses propres problèmes de santé, n'a pas l'intention de jouer les pacificateurs, a ainsi poursuivi Tom Quinn. Pour rappel, la princesse de Galles s'est mise en retrait et a même suspendu ses obligations royales depuis plus de 2 mois, car elle est atteinte d'un cancer. Le prince Harry lui avait alors déjà tendu la main en lui apportant son soutien. Nous souhaitons santé et guérison à Kate et à sa famille, et espérons qu'ils pourront le faire en privé et en paix, avait alors indiqué les Sussex dans un communiqué. Prince Harry, retour sur son évolution physique. Harry et Meghan Markle, comment peuvent-ils regagner la confiance de la famille royale? Si les relations entre le prince Harry et le reste de la famille royale sont aussi tendues, c'est avant tout parce que le duc de Sussex a multiplié les sorties médiatiques controversées. De ses mémoires à sa série documentaire diffusée sur Netflix, en passant par son interview explosive donnée à Oprah Winfrey, tout était bon pour se mettre en scène et raconter les coulisses de la monarchie britannique. Des événements qui n'ont certes pas arrangé le rapport avec la famille royale. Toutefois, il se pourrait que les Sussex puissent regagner la confiance de leurs proches. CST en tout cas ce qu'a récemment déclaré le commentateur royal Richard Fitzwilliam auprès du Mirror. S'ils veulent prospérer et ne pas seulement survivre, ils doivent éviter d'offenser la famille royale, a-t-il assuré, avant de conclure, leurs attaques leur ont coûté, à eux et à la famille royale, la popularité et les ont fait paraître extrêmement destructeurs et également hypocrites sur la question de la vie privée. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Zuma Press.